Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 3 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé le choix à l'endroit. Eh bien, pour certains d'entre vous, en ce moment précis, l'occasion se présente pour vous de créer ou transformer votre futur. On a l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie. Le passé est derrière vous, n'est-ce pas? Et le futur, eh bien, il s'ouvre devant vous. Le temps est venu pour vous de prendre à présent le contrôle de votre vie et de déterminer l'orientation que vous souhaitez pour cette vie. Soyez pleinement conscient, n'est-ce pas, en même temps que responsable des choix que vous faites à présent. Observez la façon dont vos relations, vos croyances et vos états émotionnels vous influencent. Est-ce que vous voyez des occasions et des possibilités s'offrir à vous en grand nombre pour le moment, présentement? Ce conditionnement vous donne-t-il des aptitudes et du pouvoir, ou bien cela vous limite-t-il et vous restreint-il? Est-ce que vous vous accrochez à des blessures et à des mauvais souvenirs qui vous attachent ainsi à un passé? Est-ce que vous ressassez ce passé? Cela vous empêche-t-il d'aller de l'avant et de choisir de vous tourner vers, eh bien, des expériences plus positives et constructives? Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un dont le verre est à moitié plein ou alors complètement à moitié vide? On vous demande de faire le bilan présentement. Faites ce bilan. Demandez-vous si la décision qui se présente à vous est largement influencée par la relation que vous avez avec quelqu'un, ou si vous choisissez ainsi pour faire plaisir à l'autre, pour faire plaisir à d'autres, ou bien si c'est pour vous faire plaisir à vous. Votre choix comporte-t-il des risques? Avez-vous pris en considération les conséquences ou les récompenses qui pourront découler de la façon dont vous allez agir? Alors il est important de savoir le choix vous appartient. Ne l'oubliez pas. Le choix ne doit pas être pris par quelqu'un d'autre. Il vous appartient, c'est votre vie. Qu'il implique ou non de prendre un risque, de permettre à quelqu'un d'autre de choisir pour vous ou de donner du bonheur et au bien-être d'autrui plus d'importance qu'à votre propre bonheur et bien-être, le choix vous appartient. Et si vous ne faites rien du tout, c'est également votre choix. Vous avez le droit. Il vous est demandé de prendre vos décisions en ayant conscience que vos choix vous déterminent et qu'ils ont un réel pouvoir. Ils créent votre réalité présente et future, en bien comme en mal, n'est-ce pas? Ils auront évidemment un impact non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent.
Vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Vous avez un choix à faire. Posez-vous les bonnes questions. Ne choisissez pas à travers quelqu'un d'autre, à travers des autres. Faites vos propres choix. C'est important. Parce que ça aura des conséquences pour votre avenir, pour votre futur. Le choix que vous allez faire présentement aura des... Ça influencera en tous les cas dans votre vie, dans votre cheminement. Je termine avec le message de ton âme et aujourd'hui, écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Eh bien voilà, encore une synchronicité, je pige le choix, écoutez son cœur. Eh bien voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix, ce qu'elle dit. C'est la première chose qui nous vient en tête, c'est notre petite voix et... Elle a toujours raison, cette petite voix. Donc, je vous encourage à faire un choix qui sera déterminant pour votre futur. Et quel que soit votre choix, c'est vous qui aurez pris le choix de. Je vous souhaite une toute belle journée. On se retrouve demain. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.